Rebonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur le stand Technologia pour cette nouvelle table ronde organisée par Force Ouvrière et par l'entremise du cabinet Technologia et le cabinet de l'agence.org en marge de ce congrès confédéral 2015. Hier, à cette heure-ci, nous parlions de la jeunesse et du syndicalisme. Ce soir, nous allons parler de l'égalité et de l'égalité professionnelle, mais pas que, hommes, femmes, égaux avec le syndicat. Pour en parler avec nous, des invités, Béatrice Clic, bonjour. Bonsoir. Étienne Castillo, bonjour. Bonjour. Et Michel Coulon, bonjour. Bonsoir. Alors Béatrice, vous êtes déléguée syndicale centrale adjointe, vous appartenez à la fédération FOCOM, c'est bien ça. Étienne, vous êtes assistant confédéral sur la question des jeunes à la Confédération. Et Michel, vous êtes secrétaire général de l'Union départementale FO du Tarn-et-Garonne, c'est bien ça. C'est tout à fait ça. Alors ma première question, c'est une question globale. Où en est-on sur la question de l'égalité homme-femme dans le monde syndical et plus particulièrement chez Force Ouvrière? Qui veut commencer, Michel? Ben, je peux y aller. C'est bien une préoccupation confédérale. Il appartient à chacune de nos structures de se l'approprier. Aujourd'hui, c'est plutôt sur le côté initiative. Peut-être qu'il faudra passer à une étape supplémentaire parce qu'il est largement temps que les femmes prennent toute leur place dans l'organisation et à tous les niveaux. C'est pas le cas aujourd'hui. Peut-être avec l'âge, les générations, et peut-être qu'Étienne apportera son éclairage là-dessus, ça va changer. C'est un petit peu pour ça qu'il est là, je pense. Voilà, ça va changer, mais toujours est-il, c'est que déjà, d'ores et déjà, il appartient dans toutes nos structures de susciter les vocations chez nos camarades féminines pour qu'elles prennent toutes leurs responsabilités. Alors, aborder toutes ces questions, justement, les questions d'âge, les questions de mais vous êtes une femme, donc Béatrice, vous, quelle est votre réflexion sur l'avancement de ce sujet de l'égalité homme-femme dans le monde syndical et plus particulièrement chez FO? Alors, pour l'instant, au niveau de la Confédération, le travail qui a été fait, c'est la mise en place d'un réseau des référents au niveau de la Confédération, avec donc chaque union départementale et chaque fédération peut et devrait avoir un référent dans ce réseau. Ça permet en fait la montée en compétences de chacun sur le domaine de l'égalité pro. Alors après, la limite qu'il peut y avoir pour l'instant, c'est que c'est un réseau qui se cantonne à l'égalité professionnelle dans les entreprises. Et c'est vrai qu'on entend de plus en plus de référentes demander à ce que ce soit élargi et à ce qu'on s'intéresse aussi à la question de l'égalité interne à Force Ouvrière. Vous avez le sentiment que des progrès ont été faits quand même ces dernières années? Alors sur l'égalité pro, oui, bien sûr. Je pense, FO est quand même assez souvent fer de lance dans les négociations, en entreprise, en tout cas. Ouais. D'accord. Michel, vous appartenez donc à l'UD du Tarn-et-Garonne. Vous êtes vraiment quelqu'un qui est au contact du terrain. C'est une préoccupation majeure au niveau du terrain? Oui, tout au moins en interne. Je fais partie des responsables qui essaient de traduire en acte les paroles. Donc à partir du moment où le secrétaire général de la Confédération souhaite que l'organisation accentue et pèse davantage sur l'égalité femmes-hommes, moi je dis toujours égalité femmes-hommes, ça parle davantage, il m'apparaît important d'y aller. Donc au niveau local, il faut, je l'ai dit tout à l'heure, susciter les vocations. Pour ça, il faut en parler le plus largement possible. J'ai essayé de mener deux actions. Une purement départementale, sous l'accompagnement de la directe, l'inspection du travail, et en partenariat, si je peux m'exprimer ainsi, avec le patronat, pour mener un travail où on a travaillé en binôme. On a réfléchi sur cette question-là, pour travailler en entreprise concrètement, comment on peut l'aborder. Et ensuite, grâce à la complicité des unions départementales de ma région, on a pu organiser, mettre sur pied un meeting régional, donc dans une grande salle, où on était plus de 300 camarades Force Ouvrière venus de tous les départements, de tous les horizons professionnels. Et donc, on a pu travailler toute la journée sur les différentes problématiques avec des témoignages de délégués syndicaux, de salariés, d'employeurs, la partie de la direction départementale du travail. Et ensuite, en interne, aussi, il faut qu'on avance. Et je regrette que ça n'avance pas suffisamment dans toutes les structures. Mais moi, j'essaie de faire déjà mon ménage chez moi. Et donc, au niveau
de ma commission exécutive. Sur 25 membres, 10 camarades sont des femmes. Et ensuite, beaucoup sont secrétaires généraux de leur syndicat. Juste une question plus personnelle, Michel. À titre personnel, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous investir sur cette mission-là particulièrement ? Tout simplement, j'ai deux enfants, un garçon et une fille. Et je n'ai pas accepté que la fille soit traitée différemment que le garçon. Donc j'ai essayé de m'impliquer au niveau sportif, au niveau associatif, pour qu'elle ait les mêmes prérogatives que son frère. Béatrice, qu'est-ce qui vous a donné, vous, envie de vous préoccuper de la question de l'égalité, justement Alors, ce qui m'a donné... À l'origine, en deux mots. Alors, l'origine, je pense qu'en fait, c'est que moi, je suis d'une famille où la femme, elle doit être à la maison, au foyer, à s'occuper des enfants. Et je pense que comme je suis un petit peu rebelle, à l'opposé de ça, je ne pouvais pas me contenter de ça. Bon, à part ça, vous travaillez chez Orange, un grand groupe. Quelle est la perception de la problématique de l'égalité homme-femme, vous qui avez participé à la négociation dans le groupe Orange ? Alors, nous, au niveau de Orange, on a un accord égalité donc, depuis maintenant 10 ans. Donc, c'est vrai qu'on est une entreprise où c'est sûrement beaucoup moins inégalitaire que dans d'autres secteurs d'activité, c'est certain. Une entreprise Orange France, hein ? L'entreprise Orange, Orange SA, enfin, c'est le groupe. D'accord, on est sur le groupe. Par contre, c'est la négociation, effectivement, sur le périmètre France. Donc, on mène malgré tout des combats sur l'égalité salariale où il reste à faire, même chez nous. On a aussi des problèmes d'accès aux postes à responsabilité pour les femmes, puisqu'on a quand même le plafond de verre en entreprise qui est flagrant. Et tout ce qui va être question de mixité des emplois, puisqu'on a beaucoup d'emplois réservés aux femmes, en fin de compte, et des emplois plus masculins. Alors, on a aussi quand même une mesure qui est importante, qu'on a réussi à faire mettre pour la deuxième fois. Et je voulais en parler parce que c'est encore assez méconnu. C'est le fait d'intégrer dans l'accord égalité la prise en charge des cotisations retraite par l'entreprise pendant les congés parentaux. Donc c'est prévu par la loi depuis 2006, sauf que ça n'est valable que si c'est inclus dans l'accord égalité pro. Donc c'est important d'insister dessus parce que les négociateurs l'ignorent encore assez souvent. Orange France est dirigée par une femme, ça change quelque chose par exemple ? Alors, Orange France n'est pas dirigée par une femme, c'est Stéphane Richard. Enfin, chez nous, c'est Stéphane Richard. Alors, il y a Delphine Ernotte juste en dessous. Ça change quelque chose, mais après, je pense que Stéphane Richard est déjà aussi globalement ouvert sur la question. Donc, on a une direction de la diversité globalement qui est quand même très, très attachée à ça. Et on sent qu'il y a des volontés politiques dans l'entreprise aux plus hautes instances. Donc, oui, bien sûr, ça aide. Alors, vous l'avez dit, cet accord a été signé il y a 10 ans déjà, c'est ça ? Non. Non. Le premier accord a été signé en 2005. On le re-signe tous les 3 ans. D'accord. C'est des accords triennaux. Donc on en a re-signé un l'année dernière. Et Orange se préoccupe de la question depuis une dizaine d'années, c'est ça ? C'est ça. Voilà. Comment on fait vivre des accords après une signature ? Alors nous, par contre, c'est un gros groupe, 100 000 salariés. Donc c'est vrai que la mise en application des accords repose plutôt sur nos militants de terrain. Alors toute la difficulté un peu là, c'est que le niveau de compétence et d'attachement sur le sujet de l'égalité professionnelle va être très variable d'un militant à l'autre. Et c'est vrai que pour avancer là-dedans, par contre, sur le dernier accord, on a fait inclure aussi le fait que l'entreprise Orange prenne en charge 30 jours de formation par an pour les militants syndicaux sur la question de l'égalité professionnelle. Donc ce qui va nous permettre à nous une montée en compétence de nos militants et du coup d'agir plus efficacement sur la question de l'égalité pro à Orange. Étienne, vous n'avez pas encore parlé, vous avez travaillé sur un rapport sur l'égalité professionnelle au niveau des cadres de l'État. Quels sont les freins identifiés qu'on voit à une mise en place efficace d'un accord de parité par exemple ? Ben, les freins, je vais plutôt parler en fait des freins sur le parcours professionnel que rencontrent les femmes tout au long de leur carrière. C'est vrai qu'ils sont relativement nombreux, même si on peut penser qu'au sein de la fonction publique, les choses sont relativement cadrées. En fait, on est assez rapidement confronté à un côté très culturel aussi. Le premier point, c'est tout ce qui est conciliation entre vie privée et vie professionnelle. Aujourd'hui, nous, c'est vrai que syndicalement, ce qu'on avance aussi, c'est qu'on ne peut pas systématiquement réduire les effectifs et mettre la pression sur les équipes et en même temps ignorer les impacts que ça peut avoir au niveau des agents. Ce dont on se rend compte beaucoup, c'est que des femmes sont finalement discriminées, vous savez, aux environs de 28 ans, quand il y a un risque, quand je dis risque, hein, bien sûr, c'est comme ça que c'est perçu de l'autre côté, mais voilà, d'une grossesse, de 4 mois de congé maternité, c'est vrai qu'aujourd'hui, le congé paternité reste relativement limité, et c'est pour ça aussi qu'on porte la revendication de son augmentation.
Et il y a beaucoup de chefs d'équipe qui sont très réticents à recruter des femmes sur des postes à responsabilité dans cette tranche d'âge. Et c'est comme ça qu'on constitue un vrai plafond de verre. Alors, la pédagogie, c'est quoi ? Quels outils ? Qu'est-ce que vous avez à votre disposition ? La pédagogie, c'est l'information déjà sur les droits qui existent. Donc dans la fonction publique, on a donc des CAP. Donc, syndicalement, nous, on arrive là aussi pour soutenir les femmes qui souhaitent pouvoir un poste, qu'on ne leur refuse pas pour des motifs absurdes et de mauvaise foi, finalement. Et ensuite, c'est aussi mettre un maximum d'outils en place, accès à la crèche, par exemple, mettre en place des horaires limites pour les réunions. Et moi, je vais vous dire, vous posiez la question à mes camarades, pourquoi ça les intéresse. Mais moi, l'égalité, ça m'intéresse aussi personnellement. J'ai un petit bébé. Moi, ça m'intéresse d'éviter d'avoir des réunions jusqu'à 20h le soir, parce que moi aussi, je suis un homme et j'ai envie de m'impliquer dans ma vie de famille. Et voilà, donc je pense qu'on peut être hommes et femmes gagnants sur ces sujets-là. Et on a tout intérêt syndicalement à ce que le sujet soit porté par les deux, hommes et femmes. On avancera plus vite et plus loin. Qu'est-ce qu'on sait de l'égalité au niveau européen ? Alors, c'est la même chose partout ? Il y a une différence nord-sud, j'imagine, un petit peu ? Un petit peu, c'est ce qu'on entend beaucoup. On parle beaucoup de la Suède, c'est vrai qu'ils sont un petit peu en pointe sur le sujet. Ils ont mis, entre guillemets, le paquet sur la question. C'est eux qui ont le plus fort taux d'emploi des femmes. Et ça, ils l'ont obtenu comment ? En mettant vraiment hommes et femmes sur un pied d'égalité. Aujourd'hui, les hommes s'investissent de plus en plus dans leur vie de famille. Et c'est comme ça qu'on arrive à obtenir des avancées et à faire que les femmes sont considérées vraiment l'égale des hommes en termes de carrière professionnelle, de prise de responsabilité. Une réflexion sur ce qui se passe en dehors des frontières, Michel ? Oui, peut-être justement la Suède, l'exemple de la Suède, où ils ont mis, c'est la loi. Ils ont mis en place une loi qui a contraint les entreprises et les salariés à évoluer différemment. Peut-être qu'en France, il faudra aller plus en amont sur la loi et sur les contraintes imposées aux uns et aux autres. Et quand on parle d'égalité, on parle en parentalité aussi. Il faut raisonner en termes de parentalité. Et donc, il est évident que les hommes ont le droit aussi de s'occuper de leurs enfants. Il faut leur donner les moyens de le faire. Or, aujourd'hui, comme la plupart du temps, ce sont les hommes qui ont un meilleur salaire, c'est souvent la femme qui est obligée de se sacrifier pour garder les enfants. On n'a pas parlé, on a parlé des différents freins tout à l'heure, des freins psychologiques, on n'a pas évoqué les freins culturels. C'est une réalité ou c'est... ou pas ? Oui, notamment en termes d'âge. Il est évident que plus on va avancer dans les générations qui avancent, ils ont plus de parentalité, Étienne l'a dit. À titre personnel, donc c'est vrai au niveau général, et donc ça va obliger les choses à changer. Mais oui, si je peux poursuivre sur le sujet, je pense aussi, ce qui est important de rappeler, l'aspect culturel, syndicat, on n'est pas, entre guillemets, on n'est pas là, on n'a pas forcément déjà les moyens pour agir vraiment concrètement dessus, c'est pas forcément non plus notre rôle, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Par contre, nous, ce sur quoi on insiste, c'est que Il y a un côté culturel sur la question, c'est évident. Le travail, l'emploi ne doit pas être là pour accentuer ce côté-là. On ne doit pas mettre les gens à un moment donné dans la situation où ils devront choisir entre leur carrière et leur vie de famille ou leur vie privée. Ça peut être autre chose aussi que la vie de famille. Il ne faut pas non plus restreindre ce sujet-là simplement aux enfants. Mais voilà, faut pas, l'emploi, le travail a trop tendance à mettre les gens face à cette situation de choix. Et on sait que culturellement, forcément, le choix va y avoir une différence entre les femmes et les hommes. Béatrice, les conditions du travail ont radicalement changé en quelques années, très très vite, pour des raisons de à la fois d'organisation, des raisons de pression économique accrue, de mondialisation. L'égalité professionnelle homme-femme a-t-elle fait les frais de la priorité donnée à d'autres combats ? Alors, c'est sûr qu'il est plus compliqué de parler de l'égalité professionnelle quand on est dans un contexte d'austérité. Ça simplifie pas les choses. Pour se faire entendre. Alors par contre, ce qui nous aide, c'est quand même que la loi oblige maintenant les entreprises de plus de 50 salariés à ouvrir des négociations sur le sujet. Donc ça empêche d'évacuer complètement la question.
Maintenant, c'est certain que les négociations se passent de façon plus ou moins volontariste et qu'on n'aboutit pas forcément toujours à des accords qui soient suffisamment ambitieux pour que ce soit signable. Donc, c'est sûr qu'évidemment, plus le climat, l'environnement est hostile, plus c'est difficile d'avancer sur la question de l'égalité. Et pourquoi ce n'est pas prioritaire, au fond ? Parce que c'est jugé... On touche à la culture ? Oui, je pense que aux habitudes, c'est encore peut-être un peu trop un sujet jugé secondaire. On reste quand même un peu dans le cliché aussi de... On est peut-être encore un peu trop dans le cliché du salaire de la femme qui est un salaire d'appoint du foyer et qui, au final, du coup, n'est pas forcément la priorité. S'il y a quelque chose à sacrifier, ça sera d'abord celui-là. Ce sera plutôt celui-là. Voilà. Concrètement, la parité dans une UD régionale, comment ça se passe Je l'ai un peu abordé tout à l'heure. Simplement, concrètement, pour moi qui suis donc responsable départemental... C'est vous qui ramenez ça sur le tapis, par exemple Ça fait partie de mon rôle, il me semble. Oui. Et notamment lorsque je participe aux assemblées générales, que les camarades dans les différents syndicats mettent en place leur nouveau bureau, etc. Il m'appartient d'attirer l'attention. C'est que s'il y a X femmes dans les syndiqués, elles doivent commencer à accéder dans les postes de responsabilité déjà au niveau local pour acquérir un petit peu la bouteille de l'expérience au niveau de la négociation, etc., de manière à pouvoir ensuite prendre toute leur place à l'organisation. Moi, il me paraît évident qu'il est impératif. Vous savez, aujourd'hui, la loi impose un certain nombre de choses au patron. On est largement en dessous. Pour moi, c'est inadmissible. Il faut qu'au moins on soit meilleur que les patrons là-dessus. Il faut que toutes nos délégations comportent des femmes, notamment sur les questions qui sont de leur ressort. On vous entend, visiblement, dans le public. Vous avez vos supporters. Étienne, est-ce que c'est plus spontané ? Vous avez parlé de votre exemple personnel. Vous ne voulez pas avoir à choisir forcément votre vie professionnelle et votre vie familiale ou votre vie tout court. Est-ce que c'est naturel, plus naturel en tout cas, comme combat, l'égalité professionnelle ou l'égalité homme-femme, plus exactement, chez les jeunes générations ou pas du tout ? C'est une idée reçue ? Non, je pense que c'est une réalité, notamment parce que ça a été évoqué tout à l'heure par Béatrice, les métiers deviennent de plus en plus mixtes aussi. Notamment l'encadrement, et avec ça fait évoluer les mentalités. Je pense aujourd'hui que de plus en plus dans le monde du travail, il y a un clivage générationnel qui augmente de plus en plus, et de l'autre côté, entre hommes et femmes, ça a tendance, je pense, vraiment à s'atténuer, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire, et c'est notamment par l'éducation et la formation initiale que ça passera. Alors, ce qui concerne l'engagement syndical et FO en particulier, Michel vient de nous donner un point de vue local et son travail quasi hebdomadaire sur la question. Béatrice, est-ce qu'on peut parler d'un plafond de verre à FO comme dans les entreprises ou certaines institutions ? Est-ce que j'ai dit un gros mot là ? Pour moi, en tout cas, non, vous dites pas un gros mot. Oui, évidemment, le plafond de verre existe à FO, il faut pas le nier. Il existe à FO comme il existe à peu près partout, au final, malheureusement. D'ailleurs, il y a eu plusieurs interventions de camarades femmes à la tribune du Congrès. Ça prouve aussi qu'il y a une envie que les choses bougent. Et je pense qu'il faut entendre ça, il faut entendre qu'effectivement on veut que les choses bougent. Alors les freins sont identifiés, les freins sont au final pour l'accès aux responsabilités sont les mêmes que ce qu'on peut trouver dans les entreprises ou à peu près dans toutes les structures. Maintenant, autant les entreprises et les partis politiques sont contraints par la loi d'évoluer, autant pour l'instant les syndicats ne le sont pas du tout. Donc ce qui serait intéressant, je pense, pour Force Ouvrière, c'est de ne pas attendre d'être contraint par la loi, mais bien de dire « nous, on y va », parce qu'effectivement, l'égalité, c'est important pour nous, et c'est important dehors, mais c'est aussi important dedans. Et donc, agir tout de suite et essayer d'avancer en mettant en place une politique d'égalité interne qui soit effectivement volontariste sur la question. Alors, ça passe par des statuts ? Alors ça passe par les résolutions, en tout cas, de ce qui va sortir dans les congrès. Il faut que les résolutions abordent cette question, parce que sinon, évidemment, les résolutions, c'est notre feuille de route pour les 4 années à venir. Donc s'il n'est rien inscrit sur le sujet dans les résolutions, évidemment, il ne se passera rien. Ou il se passera des choses, mais il se passera des choses uniquement là où les gens, comme Michel, vont avoir envie que ça bouge. Alors que si on l'inscrit dans notre feuille de route,
ben, ce sera quelque chose qu'on intégrera. Alors ça se fera doucement, il faut faire avancer les mentalités, il faut que tout le monde aussi s'approprie la question, parce que c'est pas simple, ni pour les hommes, ni pour les femmes parfois, parce qu'on a aussi, nous, nos propres freins qui sont de l'autocensure, qui sont ce genre de choses. Donc on a tous à travailler sur la question, mais il faut vraiment que ce soit inscrit, effectivement. Et après, ça repose sur l'implication de tout le monde, des femmes, des hommes, et à tous les niveaux du syndicat, de la base jusqu'aux plus hautes instances. Concrètement, qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui, Étienne, chez FO, pour faire évoluer les choses ? Chez Force Ouvrière, donc, c'est un peu le sujet en toile de fond. Jean-Claude Mailly l'a évoqué lundi lors de son intervention d'ouverture de congrès. Il n'y a pas de quota chez Force Ouvrière. Il n'y a pas de quota. On souhaite agir vraiment dans le concret pour faire accéder les femmes à des responsabilités syndicales et non pas simplement avoir, une façade d'égalité. C'est vrai que ça prend sans doute plus de temps, hein, c'est évident, c'est plus difficile. Mais il y a des groupes de travail qui s'organisent, notamment parmi les responsables d'union départementale et de fédération, donc, qui sont des femmes, pour voir comment leur parcours s'est construit, les freins qu'elles ont pu rencontrer, et essayer faire aussi de la formation, et à la fois de la formation vis-à-vis des femmes, mais aussi vis-à-vis des hommes en interne dans notre syndicat. Je voulais juste intervenir sur... revenir sur un point qui a été évoqué, et j'avais peut-être un point de vue un petit peu différent. Vous demandiez si finalement ce sujet de l'égalité homme-femme était moins prioritaire que d'autres. Moi, ma perception, c'est que pour les employeurs, c'est pas qu'il est moins prioritaire au sens où on en parle beaucoup. On en parle beaucoup, ça permet, il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent à obtenir une bonne image en parlant, mais le problème, c'est que derrière, il faut mettre des moyens. Et ça, les moyens, on refuse de les mettre. Et je vois même au niveau de l'État, il y a un ministère de l'égalité homme-femme. Et si vous voulez, ils ont sorti une feuille de route. Et quand moi, j'ai vu la feuille de route, j'étais un petit peu à base... et une sorte de charte avec 15 engagements pour les entreprises. Finalement, les 15 points concernaient plus les cadres et les managers de l'entreprise que l'entreprise elle-même. Et donc, culpabiliser finalement les travailleurs... plus que de demander aux entreprises d'agir et de mettre les moyens pour permettre à leurs employés de pouvoir évoluer, qu'ils soient hommes ou femmes, au sein de l'entreprise. Je reviens au syndicat. Est-ce qu'il faut passer en force, remettre en cause la place de l'élément masculin, qui est central un petit peu, Béatrice ? Non, pas remettre en cause l'élément masculin en tant que militant masculin, non. Par contre, après, le modèle masculin du militant sacrificiel qui doit être là en H24, qui doit être là tout le temps, qui doit être disponible, mobile, ça, oui, il faut le remettre en question. Et il faut le remettre en question pour tout le monde, de toute façon. On a tous à y gagner en qualité de vie. Enfin, c'est pas que pour les femmes. Alors, évidemment, c'est plus fort pour les femmes parce que il faut pas se leurrer. Il y a encore un vrai déséquilibre de répartition des tâches domestiques qui repose quand même encore essentiellement sur les femmes. Et donc, on a forcément, nous, plus de difficultés à concilier notre vie syndicale et nos contraintes familiales. Et donc, forcément, on est les premières impactées. Mais pour autant, je pense que ça bénéficie à tout le monde. Michel ? Oui, je pense que dans la vie, on est complémentaire. Dans l'organisation syndicale, on doit être complémentaire. Donc, on doit pouvoir faire les deux en même temps. Il n'y a aucun souci. L'égalité, ça doit aussi passer par la loi, encore une fois, au niveau de l'État, au niveau de... Je pense que la loi, ça doit servir de socle. Après, il appartient aux organisations syndicales, dont la nôtre, d'agir et de peser sur cette thématique. Peut-être, à mon avis, c'est comme ça que je pratique dans mon département, en le traitant de manière transversale, comme le handicap. Et après, c'est un état d'esprit. Vous savez, tout ce matin, on a fait évacuer des militants qui étaient garés sur les places handicapées. Pourtant, c'était visible. Donc, il n'y a pas de raison. Et pour la condition féminine, pour la meilleure représentation de la femme dans l'organisation syndicale, c'est exactement pareil. Moi, je pense qu'il faut le traiter de manière transversale. Et il faut passer aux actes. Il faut que l'organisation, à travers des résolutions, donc demain et après-demain, on fixe une feuille de route qui impose à l'organisation syndicale d'avancer sur cette thématique. Étienne, la loi et les négociations, toujours et encore ? Oui, toujours et encore. Je pense que ça passe par là. Simplement, alors,
dans l'entreprise, c'est une évidence. L'incitation, c'est complètement insuffisant. Faut pas se leurrer. On a évoqué tout à l'heure la Suède. Ben, ils sont passés par là. Ils sont passés par la loi. C'est comme ça qu'on évoluera au sein de l'entreprise. Après, syndicalement, faut aussi y aller, j'irais entre guillemets, intelligemment. Faut faire confiance à notre démocratie interne. Faut pas non plus vouloir imposer de façon brutale des évolutions. De toute façon, ça marchera pas chez nous, en tout cas. Vous savez... La discrimination positive, non ? Non, et puis, mais de toute façon... mais non, non plus. Parce que je vais vous expliquer simplement... La discrimination positive, non plus ? Non, parce que... Et sur les jeunes, non plus. C'est des questions aussi qui se posent. C'est vrai, on parlait de l'image du modèle masculin. C'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est, je dirais, modèle masculin de plus de 50 ans. Pour un syndicaliste, voilà, et sur ces sujets là on essaie d'avancer vraiment avec de la pédagogie. Mais après, de l'autre côté, il faut aussi laisser les militants de base choisir. S'ils se reconnaissent pas dans notre syndicat et dans nos instances, ils iront ailleurs ou ils le diront. Je discutais ce midi avec des camarades. Bon, bah, dans des secteurs, la mixité, elle n'est pas forcément là. Dans certains secteurs, il y a 80% de femmes. On va pas chercher à ce qu'il y ait 50% d'hommes dans les instances. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Après, faut pas non plus, au niveau de l'instance globale, faut être lucide aussi. Hein, mais voilà, je pense qu'il faut nous faire confiance. C'est vrai que ça prend un peu plus de temps, mais je pense que c'est beaucoup plus sain et plus solide. Oui, Béatrice ? Oui, alors, moi, je pense qu'effectivement, la loi, c'est une nécessité, évidemment. Par contre, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, les organisations syndicales ne sont pas contraintes par la loi, mais ça ne doit pas nous empêcher d'agir. Alors, c'est sûr que c'est difficile, c'est contraignant, il faut se remettre en question, il faut prendre du temps pour le faire, ça, c'est certain aussi. Il faut convaincre aussi, il faut convaincre tout le monde. Après, moi, ce que j'aimerais voir changer, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les militants locaux sont beaucoup des hommes. Les militants nationaux sont surtout des hommes. Et je pense qu'il est temps qu'effectivement, on essaye de faire évoluer un peu ça. Alors, il y a une image qui me plaît beaucoup, c'est l'image de... En fait, pour monter dans l'échelle des responsabilités AFO, les hommes ont tendance à pouvoir prendre l'ascenseur là où les femmes doivent prendre l'escalier. Et donc moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse enfin monter dans l'ascenseur et nous ouvrir la porte. Voilà. On va bientôt conclure cette table ronde. Vous avez aussi vos supporters, apparemment. En 2011, lors du congrès, la question avait déjà été abordée, je crois. Alors la question avait été abordée beaucoup plus succinctement, c'était beaucoup moins marqué. Là, je pense qu'il y a des signes assez forts. Enfin, moi, je veux croire qu'il y a des signes forts, parce que Jean-Claude Mailly l'a abordé dans son propos introductif. On a des prises de parole de camarades femmes, mais aussi de camarades hommes. La preuve, Michel est là, qui pose la question sur la table. Donc, on verra ce qui va ressortir des résolutions. Et c'est en sortant du congrès qu'on va pouvoir voir vraiment ce que ça va donner, quoi. Merci d'avoir participé à cette table ronde, Étienne, Béatrice, Michel. On va se retrouver demain pour une nouvelle table ronde. Demain soir, c'est sur le partout et plus nombreux, c'est l'avenir du syndicalisme. On parlera de ça, ça sera la dernière table ronde. Demain midi, on se retrouve avec le cabinet Technologia pour parler de l'avenir des CHSCT. C'est une question importante aussi. Qui est au cœur de l'actualité en ce moment. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir été à l'écoute, merci d'avoir été si nombreux, merci à vous trois. À demain.